Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Iceborne. Cette fois-ci, je vais vous parler du fusil arbalète avec les munitions de type perforante. Donc, on va passer à l'équipement et ensuite on passera au joyau de manière plus détaillée pour vous comprendre le build. Alors, le fusil arbalète Sombrel 2, qui est le fusil arbalète du Yangaruga. Donc, il vous faudra en première partie pour le construire le Yangaruga simple, puis ensuite quelques composants du Yangaruga balafré. Alors, c'est un fusil arbalète qui a 351 d'attaque, 25% d'affinité, une déviation moyenne, un emplacement de joyau de niveau 3. En élément de modification, je vous conseille de mettre le canoncier une fois, deux rechargements fugitifs et un canon puissant. Alors, le canon puissant et les rechargements fugitifs sont indispensables. Vous pouvez même remplacer le canoncier par un troisième rechargement fugitif. C'est un fusil arbalète qui a une particularité d'avoir trois types de munitions qu'on peut utiliser, donc trois builds différents que je ferai par la suite. Alors, je vais vous faire voir. On peut utiliser aussi bien les munitions grenailles de niveau 3 pour un build spread. Ensuite, on peut utiliser cette arme pour un build anti-blindage de niveau 2, comme c'est un tir rapide. Et ensuite, la plus courante, c'est le fusil arbalète qu'on utilise avec les munitions perforantes de niveau 2. Donc, il a 3 munitions. C'est pour ça que je vous dis que si vous mettez un rechargement fugitif à la place du canoncier, vous rechargerez complètement votre chargeur. Donc voilà pour les munitions, ensuite on va passer aux équipements, à l'armure. Alors il existe deux types de build. Moi j'ai peaufiné le mien pour faire en sorte d'avoir Berserker de niveau 3. Alors on utilise le masque Nargacuga qui donne performance optimale de niveau 1 et Trac sans merci. Trac sans merci c'est ce qui permet d'augmenter les dégâts des munitions perforantes. Ensuite, la veste Kirin qui donne maître d'armes de niveau 3 et bénédiction, c'est toujours à prendre, mais c'est pas vraiment ce qui nous intéresse sur ce build. Ensuite, les avant-bras Artian qui donnent tireur d'élite de niveau 2. Donc, le niveau 2 est amplement suffisant pour augmenter votre capacité de chargeur de 2 à 3 pour les munitions perforantes. Après, pour les munitions de grenaille et d'anti-blindage, vous pourrez le mettre au niveau 3. Mais c'est un build complètement différent. Je le ferai par la suite dans des prochaines vidéos. Ensuite, la Tasset Odogaron qui vous donne maître d'armes de niveau 2 et la Greave Yangaruga qui vous donne aussi maître d'armes de niveau 2. Alors, j'utilise le collier samouraï, toujours pareil pour les fusils arbalètes légers et lourds, qui vous donne le talent franc-tireur qui vous permet de tirer sans utiliser de munitions, donc tirer gratuitement. Au niveau des talents global, ça vous donne maître d'armes de niveau 7, soit 40% d'affinité, Berserker de niveau 3 qui augmente les dégâts critiques de 40%. Mise à mort de niveau 3 qui vous donne une affinité plus 50% quand vous tirez sur les parties sensibles des monstres. Performance optimale qui augmente votre attaque de niveau 20 lorsque votre vie est au maximum. Trac sans merci de niveau 2 donc qui augmente les munitions perforantes et les perce-dragons, mais ça c'est pour l'arc. Tireur d'élite de niveau 2, comme je vous disais, c'est amplement suffisant pour ce type de munitions. Machine de guerre de niveau 1, mais malheureusement, je n'ai plus d'emplacement de joyau, donc c'est un choix à faire. Vous pouvez modifier votre build, soit pour avoir performance optimale de niveau 3, soit pour avoir machine de guerre de niveau 4. Donc bénédiction qui est inutile, et franc-tireur qui vous permet de tirer des munitions gratuitement. Donc la cape temporelle et la cape immuable. La cape immuable me permet de ne pas tomber quand je m'accroche au monstre pour les faire percuter un mur ou une pierre. Et la cape temporelle qui me permet de tout simplement d'esquiver et de garder ma vie à 100% pour performance optimale. Après, voilà, vous pouvez utiliser la cape d'évasion si vous arrivez bien à faire une roulade pour esquiver le cri du monstre. Donc automatiquement, elle augmentera votre attaque. Ça, après les capes, c'est au choix. Alors maintenant, on va passer au joyau. Il me manque actuellement un joyau pour cet équipement. Je fais tout de même pour cet emplacement-ci. Je fais tout de même cette vidéo. Je vais pas attendre de dropper le joyau, sinon la vidéo je peux la sortir d'ici peut-être un an, si j'ai pas de chance pour le dropper. Sachant que j'ai plus de 1000 heures de jeu, je n'ai toujours pas droppé le joyau. On y viendra par la suite. Alors sur le fusil arbalète, je mets un joyau titane, donc qui donne Trac sans merci pour les munitions perforantes. Ici ce sera donc le joyau en anglais Mine's Eye Ballistique. Donc c'est un joyau, traduction en français si je me trompe pas, c'est œil de l'esprit qui vous permet de ne pas dévier vos tirs et d'augmenter la distance pour les dégâts maximales sur les munitions. Donc un joyau d'attaque également. Sur la veste Kirin, un joyau performance optimale et un joyau mise à mort. Sur les avant-bras, un joyau performance optimale. Ensuite sur la Tasset Odogaron, un joyau mise à mort, un joyau berserker.
sur les Graven Garuga, un joyau Missamor et deux joyaux Berserker. Donc vous voyez que j'ai tous les talents qu'il faut pour maximiser ce build, il me manque juste l'œil de l'esprit pour les munitions. Donc après comme possibilité de build, si vous n'avez pas le collier samouraï, bien qu'il est facile à dropper, il vous suffit de faire les quêtes, si je me trompe pas, chambre 1 et chambre 2, donc c'est un Tigrex et un Glavenus Acide, dans les quêtes libres. Mais si vous ne jouez pas ce build, vous pouvez jouer tout simplement les 3 sets Nargacouga, donc le casque, les bras et la tassette. En jambes, ce sera toujours Yengaruga. Et en torse, Artian. Donc ça vous donnera, avec les joyaux également comme moi, maître d'armes de niveau 7, mise à mort de niveau 3, performance optimale de niveau 3. À la place, vous aurez métabolisme de niveau 3, traque sans merci de niveau 2. Tireur d'élite de niveau 2, par contre vous n'aurez pas Berserker de niveau 3, vous l'aurez niveau 1 et il vous faudra donc mettre vos joyaux sur une de vos capes. Voilà pourquoi j'ai peaufiné ce build et je n'utilise pas les 3 sets du Yengaruga. Je ferai sûrement une vidéo pour vous expliquer le vrai franc-tireur, puisque les 3 sets du Xenogiva, comment dire, Gamma et aussi les 3 sets du Nargacouga vous donnent ce talent franc-tireur, mais il ne proc pas aussi souvent que le collier samouraï. C'est pour ça qu'on parle de faux franc-tireur et de vrai franc-tireur. Donc je ferai sûrement une vidéo là-dessus pour vous démontrer qu'avec le collier samouraï, on proc plus souvent ce talent et automatiquement on peut tirer. Ça m'est déjà arrivé de tirer, je veux dire, 7 munitions avec un chargeur qui de base n'en possède que 2. Donc ça vous fait pas mal de munitions tirées sans utiliser vos munitions à vous. Donc voilà pour cette vidéo. J'espère que ce build vous a plu. Testez-le. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo dans Iceborne. A bientôt.